Roland Escaic, bonjour, on vous connaît. Bon, vous êtes le fondateur du magazine Art de Vivre, National 7. Tentation. Et Tentation, évidemment. Et vous avez fait National 7 aussi. Bah, évidemment. Bon, vous êtes... Tentation n'étant que le suivi normal. Et vous êtes... Ouais. Et vous êtes l'inventeur, et ça, beaucoup de nos auditeurs s'en souviennent, la petite Bible des restaurants. C'était un petit quoi? C'était un tout petit volume qu'on mettait dans la poche? Oui, absolument. Absolument. La petite Bible des restaurants que vous avez inventée, pour ainsi dire. Absolument. De Roland Escaic, tout le monde a connu ça. Ceux qui ont vécu dans les années 70, 80, 90. Ouais. C'était un très beau succès d'édition. Ouais. Et bon, là, vous continuez à faire ce que vous savez faire, c'est du journalisme. Le journalisme, ouais. Vous intervenez dans Entreprendre, notamment, et on est très heureux de vous avoir. Vous avez fait l'interview de Marc Rocher. Oui. Marc Rocher, compagnie aérienne française du groupe Dubreuil. Absolument. Vous avez interviewé. Bon, alors, Roland Escaic, parlez-nous un petit peu de du livre que vous êtes en train de préparer, que nous sommes heureux d'ailleurs de publier, que nous publierons sur la Fond Presse Édition. C'est un peu vous souvenir et que vous avez connu Salvatore Dalí. J'ai très très bien connu Salvatore Dalí, oui, absolument. Je l'ai connu d'abord à titre jeune gamin qui fonce vers la découverte à 17-18 ans. Et après, je l'ai connu professionnellement vers 23 ans, 24 ans. Ah oui, vous avez connu le jeune Salvador Dalí. Alors... Ah, moi, j'ai connu, j'avais 17-18 ans. Mais dans quel cadre vous étiez avec lui? C'est ça qui est... J'y allais d'une manière complètement... anachronique, puisque j'étais plongé avec des copains, on partait en voiture, on partait, à l'époque j'habitais Toulouse. on partait le week-end, ouais, Costa Brava, ouais. J'allais voir Salvador Dalí, rapport légal. Mais il n'était pas connu à l'époque. Oh, mais si, très très connu, si, déjà, très connu. Mais Dalí, c'est une icône, c'est vraiment un personnage hors commun. C'était déjà un peintre reconnu par un artiste. Il était marié déjà à Gala. A été avec sa muse, oui, Gala. Et quelle impression vous avez eue en rencontrant? Vous étiez jeune, vous aviez le même âge que lui. Vous avez presque le même âge, quoi. Ouais. Non, on n'avait pas le même âge. Non. Mais non. Quel âge il avait? Il était beaucoup plus âgé. Dalí est mort en quelle année, disons? Dalí, il est mort il y a 15-20, je ne sais pas. 20 ans, bon. Oui, il était beaucoup plus âgé. Il avait quoi, 30 ans? Il avait plus âgé que ça encore. C'était déjà un monstre du monde artistique. Absolument. Donc quand vous arriviez avec vos copains, là, vos jeunes, votre oui. bande de jeunes, là, vous étiez impressionné? Non, pas du tout. Vas-y, parce que... On ne se laisse pas aller ici avec Roland, c'est normal. Et il vous a impressionné ou quoi? Non, il ne m'a pas impressionné parce qu'on partait, je crois que c'est la force de la jeunesse de recréer une dimension complètement différente. Et qu'est-ce qui vous arriviez à parler avec lui? Oui, pas à l'époque, pas beaucoup, mais suffisamment pour être content parce que l'impression qu'on gardait, c'était le contact qu'on avait avec lui. Beaucoup de charisme. Comment? Beaucoup de charisme. Énormément. Parce qu'aujourd'hui, avec le recul, tout le monde dit bon, c'est un génie. Vous aviez conscience à cette époque déjà de côtoyer un nom qui va rester dans l'histoire de l'art? Évidemment, parce que. C'était un personnage hors du commun. Il y avait le côté à la fois très classique et à la fois très très moderne, à l'avant-garde. Donc la juxtaposition des deux donnait un élément particulier. Il était très singulier. Et avec le recul aujourd'hui, quand vous voyez un petit peu l'époque, comme elle évolue et tout ce que Dalí disait déjà et exprimait, il avait raison, il a été prémonitoire, qu'est-ce que vous pouvez dire? Il était prémonitoire en certains sens, oui, mais qui aurait pu dire ce qu'il allait se passer réellement? Il ne pouvait pas. Personne ne pouvait dire. Personne. Il était prémonitoire, c'est dans ses dessins parfois, quand il montrait l'enfer, quand il montrait ces genres de choses, quand il dessinait, c'était spécial.
Et vous avez, donc vous allez faire ce livre de souvenirs avec Dali. Vous apportez des choses qui n'ont jamais été dites. C'est les choses. Quand on fait un livre, en principe, c'est le but. C'est le but, oui. Mais c'est des choses que j'ai vécues. Ouais. Donc, que peu de gens ont vécu, que quelques personnes ont vécu. Peut-être 4000, 5000 personnes ont vécu. Je veux les faire partager. Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été divulguées, que vous divulguez? Absolument pas. Absolument pas. Ouais. Absolument pas, puisque ça, c'est une histoire de vie. Est-ce que Dali, il y a un Dali aujourd'hui? Est-ce que... Quel message Salvador Dali pour vous? Enfin, c'est pas un message, il laisse une œuvre, c'est mieux qu'un message, mais. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur Salvador Dali? Dali, c'est un personnage double, à savoir que quand il était seul, il était Dali, il resplendissait, il était jeune, il tapait sur la table. Il pouvait jouer. Et quand il était avec sa femme, il était le petit toutou près de sa femme. Ça, c'est... Il y avait deux Dali qui se comportaient complètement différemment. Il était double. Double. Est-ce qu'il était dupe de son personnage ou est-ce qu'il... En fait, il savait manipuler les médias. C'était le premier médiateur. Enfin, absolument. Il a fait de son nom une marque, en fait. Absolument. Andy Warhol n'est... Il l'a suivi. Il n'a fait que suivre. Ils n'ont fait que suivre. C'est un homme qui savait utiliser son nom pour. Voilà. Ça, c'était exceptionnel. D'accord. Bon. Bah, écoutez, on attend avec beaucoup d'intérêt la sortie de ce livre. Ouais. Nous sommes heureux de publier. Je pense que, pas donner de faux espoirs, mais je pense qu'en novembre, il sera disponible chez nous. Et bon, on connaît votre talent d'écriture. Je pense qu'il y a beaucoup d'anecdotes dans ce livre, Il y a quelques anecdotes assez croustillantes, enfin, c'est assez spécial. C'est l'histoire vraie d'une période de vie. C'est l'histoire vraie d'une période de vie vécue avec Dali. Mais Dali est un personnage étonnant parce que quand on pense que personne ne le sait, très peu de gens le savent, que quand Dali allait à Genève, l'hiver parfois, il gardait, quand il était payé par des chèques sur des grosses sommes, hein, eh bien, il laissait ses chèques sous le lit et il les oubliait pendant des années. Ah, mais personne ne le sait. Donc il y a le petit personnel des grands palaces de Genève qui souhaitait faire la chambre de Salvador Dali. Absolument. Ah oui, bon, ben, c'est une anecdote, effectivement. Dali vous manque aujourd'hui? On ne peut pas dire ça. De ses œuvres. On ne peut pas dire ça, mais c'est une époque, c'est un moment de vie. C'est un moment de vie qui est absolument exceptionnel. Et ça, on ne le retrouvera pas. Vous retournez voir sa maison Je suis retourné une fois son musée. Avec ma seconde femme. Ouais. Et on a visité, c'était interdit. Le matin, la maison était fermée. On a pu rentrer parce que j'ai dit, vous allez voir là et là et là. J'ai retrouvé à la fois le réverbère, à la fois ci, à la fois ça. Tout ce que je lui avais offert, qui était réellement authentique, et c'était dans son jardin. Dans son jardin. Et je l'ai vécu. C'est l'homme le plus important que vous ayez rencontré? Non. 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 Qui d'autre? Oui, j'ai rencontré des femmes aussi. Mais ça, c'est votre vie. Mais non, c'est Kuniko Tsutsumi. C'est hallucinant. Hallucinant, cette femme. Les femmes de Dali, vous avez rencontré? Non, non. Pas des femmes de Dali. Une femme différente qui était juste après, que j'ai bien connue. D'accord. Vraiment bien connue. Kuniko Tsutsumi. C'était vraiment, à l'époque, la plus grande fortune avec son frère du Japon, donc du monde. Oui, ça n'a plus rien à voir avec Dali. Là, on parle d'autre chose. On parle des rencontres importantes qui ont jalonné votre existence. Et d'après, je me suis laissé dire, vous allez faire des livres aussi avec un autre livre après sur ce sujet. Parce que vous avez rencontré dans votre vie de journaliste et de patron de presse, vous avez rencontré des tas de personnalités, même Vincent Bolloré, vous le connaissez bien. Oui, mais... Dites-nous un mot sur Vincent. Vincent? Oui, parce qu'il est quand même toujours, lui... C'est un homme sensible et fort. Sensible. Sensible et fort. On n'en parle jamais, ça. Sensible et fort, ouais. Je le dis, je le répète. Et c'est un homme particulier, très très spécial, exceptionnel. Oui. Hein? Qui fait des chefs-d'œuvre dans son genre, chefs-d'œuvre économique. Il fait ce qu'il a envie de faire, c'est absolument exceptionnel. Ouais.
je répète, exceptionnel. Il n'a pas l'image qu'il dit. Absolument pas. Il est très critiqué, mais il s'en fout. Il a un parcours exceptionnel. Il s'en fout. Ouais. S'en fout. Et la France a besoin de ce type de capitaine d'industrie. Mais si on en avait 20 de plus, c'est vachement mieux. Arnaud n'a pas la dimension de. Non, pas du tout. Il a créé un empire plus important. Non. Oui, mais ça n'a rien à voir. Arnaud, c'est un métronome. Mais il a aussi la création artistique, hein, Arnaud. C'est pas qu'un cerveau gauche ou un cerveau droit. C'est les deux en même temps. Oui, mais. Un pianiste. Oui, mais. Je dis oui, mais. Ouais. Vous préférez Vincent Bolloré. Ah, ouais. Pourtant, vous n'êtes pas breton. Ah non. Merci Roland pour ces anecdotes. Et puis, on vous retrouvera très bientôt dans ce fameux livre sur Dali. À très vite. Ah!